Coucou. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du DG Gaming. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester un nouveau jeu qui est gratuit, c'est un free-to-play sur Steam, du nom de Robocraft. Donc, ce jeu me fait beaucoup penser à Kerbal Space Program Studio, enfin Kerbal Space Program, pardon. Bon, je présume qu'il est un peu plus simple, mais on va voir ce qu'il faut faire. Donc, apparemment, faire des guerres avec des véhicules. Voilà. Donc déjà, comment on fait? Select the game mode. Donc déjà... Ok, robot, rescue. Hein. Donc déjà, ce que j'ai compris, il faut créer son véhicule. Donc le temps que je remette des nouvelles touches et tout, c'est un peu galère. Mais... Donc déjà je comprends pas pourquoi il veut mettre la roue vers le haut. Ça m'énerve un peu. Turcotte, setting, vision. Comme un con, j'ai voulu recréer mon tank, sauf que je sais pas comment. Comme un con en fait j'ai. Je comprends pas du tout comment on fait. D'accord, ça c'est pour écrire. Donc je sais, j'ai l'air d'un gros noob, mais je comprends rien du tout. Oh. Appelez-moi Kéké, je sais. Allez, change, s'il te plaît. Allez. Putain. Ça m'énerve. No rival point in this one. You must have a pilot seat on your rival. Press Q from your inventory. Bon, moi c'est pas que je veux pas mon pote, mais j'arriverai déjà à le créer. Le jeu est pas mal, mais il faut le comprendre. Déjà je propose qu'on crée le véhicule. Alors moi j'ai envie de faire un blindé bien fun, bien badass. Ça c'est le châssis et tout, toi tu sais, hein. Ah bon. Ah d'accord, il y a un mec qui parle apparemment. Kenji, c'est Nimi. D'accord, si tu veux. En fait je m'amuse à faire des tanks, mais je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Oh putain, je crois que je viens de comprendre un truc. Fallait mettre des cubes pour mettre les roues. Oh mais le con. Oh mais quel con. Oh putain, je fais... What? Putain, mais elles sont énormes les roues. Bon bah ça c'est sûr, j'ai des roues, tu vois. Moi je suis un malade, je les mets à l'arrière. Je vais faire un tout petit truc, tout mignon, mignon. Mais carrément bien défendu, mon gars. Attention. Bon, j'aime bien le principe du jeu, créer des tanks avec des blocs. Du style Minecraft. Ça, c'est fun. Enfin, quand tu comprends. Parce que bon, oui, j'ai cherché un quart d'heure avant de comprendre qu'il fallait mettre des cubes à la place des roues. J'ai passé un peu de la vidéo. Non. Bon. Là, je crée mon tank magnifique d'ailleurs. Hein. Je suis sûr que vous êtes impressionné. C'est une blague. Mais bientôt, je vais faire un live avec Detox. Parce que bon... Comme Detox il fout rien et que il y a presque que moi qui fais des vidéos, on a décidé de se remettre en question et de faire un truc. Mais bon bref, ça c'est la suite. Revenons à notre magnifique tank. Très 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 bizarre. Et plus défendu que ça. Je sens que je vais tout recommencer moi, mais. Ça c'est de la défense mon frère.
Donc là j'ai déjà 158 cubes, sachant que j'en ai 425 et que je dois créer un tank. Alors. Honnêtement, je vous conseille quand même ce jeu, ce qui est fun. Surtout, il est moins complexe que Kerbal Space Program. Puis bon, il est gratuit. Ce qui est toujours cool. Ça fait plaisir. Là, on va mettre l'interface du pilote et tout. Pardon. Alors, que c'est quoi? Ah, merde. Comment on fait pivoter? C'est bugué ou quoi? Ça faisait ça tout à l'heure, je croyais que c'était fait exprès pour faire un trait d'humour. Donc pour l'instant, je crois pas que je vais cheater ce jeu. Ah. Il y en a qui m'ont dit que c'était mieux de cheater. Moi perso, pour l'instant, ça a pas l'air d'être dur. Bon après là, je suis pas sur l'online. Hein. Je mets que des cubes. C'est comme dans Minecraft. Je trouve que je fais des bons trucs, mais bon, quand je vois ceux des autres et que je vois comment ils galèrent pas du tout sur l'online, je me dis que je fais un peu pitié quand même. Et oui, c'est un tank, hein, ça roule. Et regarde, là on va faire un petit piège. Ça, s'il y a un gars, il veut essayer de nous défoncer tôt, tu vois. Tu vois, il essaie de me défoncer mes roues et tout. Et bah moi là, bah après j'ai mes roues du dessous. Ça, bah il peut pas me défoncer mes roues du dessus. Magnifique piège. Regarde. Et tu respectes. Mais ça, comment ça doit être bugué quand même. Bim, 6 tourelles. Va leur mettre cher. Hein. Hop. Voilà. Là, on est des fous. Hein. Alors, va mais bon, je vais attendre d'aller un peu au-dessus pour mettre mon truc. Qu'est-ce que ça? On peut mettre des valises. Ah non, c'est des remparts. On peut mettre des remparts. Hein. En plus, il y a des petites lumières. C'est tout mignon, mignon. Oula. Mais... arrête. Alors... putain. Mon clavier, il fait une crise d'épilepsie. Bim. On peut mettre deux sièges de pilote. Je suis un fou, j'en mets deux. Hop. Il me dit que j'ai fait mon truc à l'envers. Non. Il se moque ouvertement de mon faciès. Enfin de ma gueule, surtout. Je sais pas si ça veut dire quelque chose en fait. Oh putain, je suis très désappointé là. Tant pis, ne rajoute pas. Hop. Non, on peut les mettre les sièges. Et s'il se met de l'autre côté, alors là, il sait même pas ce qu'il va prendre. Regarde. Un siège. Et canon les plaies. Dire quoi ça en fait, parce que comme vous pouvez voir que je suis très fort en anglais. Bon allez, tant pis. On va remettre les trucs à châssis là. Quoi? Je comprends plus rien moi. Pourquoi tu veux pas le mettre là mon bloc? Ah bah si.
Ghost the One a été élu gamer noob de l'année. Putain, et moi qui trouvais que j'étais assez expérimenté dans beaucoup de types de jeux. Oh lol. Attention. C'est là qu'on va faire un truc classe et que tous les gens ils vont dire wow, c'est magnifique. Tu vas voir. Donc déjà on a un tank pas du tout bugué. Arrête. Quoi? Oh non. Ah non. On peut pas le protéger. Là, on va faire une couverture de gros noob. Ah oh, comment j'ai esquivé. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est comme dans Minecraft, j'essaie de faire un truc symétrique et là en fait je fais de la merde. Alors. Putain. Je suis débile. Hop. 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 Merde. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il se fout ouvertement de ma gueule. Vas-y. Mais putain là. Bon. Il veut pas qu'on fasse un pare-brise panoramique. Alors on va faire plus simple. Ah non, pour faire plus beau, on va mettre les spirales. On peut pas mettre les spirales. Ah bah si, y en a. Putain. Oui, oui. Allez. Mais il pourrait pas faire un truc. Dès qu'il tourne, ça tourne une fois et ça te fait pas. C'est que ça tourne pas 10 milliards de fois. Bah. Oh putain. Alors mon tank, il a beau être affreux, le mec qui arrive à me défoncer. Bah il arrive à me défoncer quoi. Et mec, t'as vu, on pouvait mettre de l'eau. Carrément. Alors hop. Putain, pourquoi je... Fallait que je clique sur cette touche. Hop. Dis-moi t'es malin. Mon tank en fait, tu vois, il est vraiment très très moche. Alors. Et de une. Et de deux. Là, je mettrais bien des petits cubes et tout pour faire... Holo. Comme ça, comment ça marche. Hop, 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 non, oui, non, oui. Hop, tu vois, fais un truc comme ça, lo, 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 lo.
l'eau. Et tout, petite casse. Petite casse. D'accord, ça veut strictement rien dire. Hop. Hop. Regarde pour que ça fasse plus symétrique et tout. Et puis bon, qu'il soit bien défendu, c'est un tank quand même. Faire hop, 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 hop. Et regarde ce que ça va faire. Là, on va mettre petit... Ça fait un parbu. Bah alors, et pas vous mettre un tank. Hein. So, hop, hop. Et là, bah, met les deux tourelles. Voilà. C'est pas vrai. On avait dit qu'il m'en restait 425. Ah oh, mais sérieux là? Vas-y. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Bon bah voilà, là j'ai un beau tank. Hein. Allez, c'est parti. Comment on fait là? Hop, là. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Bon, je connais pas les touches, mais qu'est-ce qu'on va leur mettre? Alors comment on pilote? Voilà. Bah hey, bon mon tank. Hein. Oh putain. Ah merde, je peux pas tourner. Ah comment on tourne? Ah comment on tourne? D'accord. D'accord. Eh monsieur, je suis coincé. Voilà. J'espère qu'il faut pas le refaire. Hein. Oh voilà. Allez. Hop, hop. Battle on line. Alors comme clinquin fait. Ça se trouve, c'est mon tank qui est trop lourd. La chance, il y a son prénom lui. Moi aussi je veux mon prénom. Oh non. Ah voilà. C'est Schumacher là. Putain mais j'appuie sur le même bouton, il comprend quand je vais à la gauche à droite. Défoncer le tout. Voilà. Et voilà. À moi en tout cas, il est beau mon tank. Hein. Non. Il faut. Il est con lui. Non. Voilà. Con. Allez. Viens par là, c'était un homme. Voilà. Putain, encore Gary, il s'appelle plus Gary. Allez. Allez. Voilà. Ouais. Il s'enfuit lui. Oh merde. Faut rouler du bon sens, hein. Allez, allez, voilà. Allez, c'est parti. Et faut m'attaquer là. Il m'attaque pas. Ah merde, il y en a qui volent. Putain, mon tank, mais on peut pas le contrôler, comment on fait?
Allez, Gary. Je suis un homme mort. Ah, si tous tes ennemis s'enfuient, c'est super, hein. Mais bon, c'est du simple Kerbal Space Program, la poche, du coup. Oula. Et voilà. Boum. Tu le tankes. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette première vidéo sur Robocraft vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et mettez un like à cette vidéo si elle vous a plu, ça ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous voudrez éventuellement un truc particulier dans un jeu, ou tout simplement dans un truc particulier, ouais, de faire un jeu, bah dites-le moi dans les commentaires. Donc, encore merci et à bientôt.